Et le calme revient. À peine Parfait. rompu par les ronflements étrangement bienheureux de ces deux orques qui se trouvent ici, tandis que les dernières flammèches incandescentes et les derniers effets lumineux des sorts éclairent brièvement cette mini clairière avant de disparaître. Que faites-vous? Moi, je vais calmer les bœufs. Ok. Enfin, les rassurer. Il faut nous enfuir ou elle fait ses orques. Ils ne représentent plus en danger. Ils ne sont pas assez nombreux pour attaquer un village. Je serais d'avis de les laisser là. Les autres? Oui. Je reprends conscience petit à petit, puisqu'en fait ma rage s'est terminée. Mes cheveux redeviennent bruns comme d'habitude, etc. Et donc d'un seul coup, en fait, je me retrouve un peu groggy, avec des morceaux d'entrailles d'orques sur les mains. Et je me souviens plus très très bien ce que je faisais. Et je suis là, genre... Ah, mais c'est vraiment de la santé, ça. C'est pas... Ah, je vais encore sentir mauvais, on va y encore dire que c'est ma faute. Et je me désengage du pauvre corps meurtri de ce pauvre petit orc. Il fait ta taille. Hein ? Il fait ta taille, quand même, l'orc. Il fait à peu près la taille d'Ygritte, mais il a une stature moins imposante, étrangement. Vous voyez que ces orcs ont une constitution plutôt athlétique, en fait. C'est pas des énormes brutes. Vous n'avez pas eu l'impression d'affronter des adversaires terribles, mais ils ont l'air très en forme. Ceux qui sont morts, moins, mais globalement, ils ont l'air très en forme, physiquement. Moi, je m'approche des bœufs, et puis je dis à Elical, qui était toujours sur la carriole, Elical. Toujours. Je prends un gars hyper noble, hein. Genre le genou levé, machin. Et je te dis, pourrais pas essayer de leur demander ce qu'ils foutent là et pourquoi ils nous attaquent. Moi, j'ai pas trop envie de tuer des gens, même s'ils nous ont attaqué, mais peut-être que ça pourrait être l'occasion de leur demander des infos. Qui ça, aux bœufs? Mais non, aux orques. Ah, pardon, excuse-moi. J'étais occupé à nous sauver la vie, je suis un peu perturbé. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais craquer les épaules, je descends. Donc il y a un orque encore en vie, du coup? Il y en a deux qui dorment. Il y a deux orques là qui sont en train de dormir comme des bienheureux. On les y en a un qui n'a rien vu, rien fait de tout le combat. C'est génial. On les a achetés. Achetés. On vous les a achetés. Achetés, exactement. Ces orques vous appartiennent à présent. Vous pouvez les baptiser. On les a attachés. On a dit que vous les avez attachés pour l'instant. Ça, ils dorment. Pour l'instant, ils dorment. Vous les voyez qu'ils remuent un petit peu. J'ai dit que déjà, ça serait bien de les attacher. Avant qu'on puisse les interroger, parce que s'ils se réveillent et qu'ils nous mettent une bastos, ça peut vite dégénérer. Très bien. Vous les attachez, vous entendez une petite voix qui vient du chariot. C'est fini ? Je peux sortir ? Non, reste à l'intérieur. Non. D'accord. C'est encore dangereux. Mettez-vous sous la caisse d'oignon, s'il vous plaît. C'est plus safe, elle est solide. D'accord. L'odeur vous couvrira. L'odeur des oignons, je précise, parce que ça peut toujours porter à confusion quand même. Et du coup, je vais voir une fois que les orques sont attachés, je vais en ouvrir un, puis je mets un petit coup de pied pas méchant pour le réveiller. Alors, tu vas en ouvrir un. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Comme Ygritte vient d'ouvrir le sien, ou... C'est ça. Voilà. Je vais en frapper un, du bout du pied, pour le réveiller. Je me prépare à toute réaction de l'orque. Tu m'étonnes. Très bien. Eh bien, écoute, l'orque étant attaché, tout à coup se réveille. C'est le premier, celui qui s'est un petit peu battu. Donc tu l'entends qui pousse un petit cri de douleur et qui essaie de se débattre et qui essaie de se défaire de ses liens. Il n'y arrive pas. Et il te regarde. Il te regarde d'un air vraiment très mauvais. Alors en fait, quand je me rapproche de lui, vous voyez qu'il y a une sorte d'aura
qui se dégage d'Hélical. Une espèce d'aura lumineuse qui m'entoure, qui vous captive. Et qui le captive lui aussi, se dit en passant. Dis-moi, mon brave, tu m'as l'air d'être un peu loin de tes contrées ici, non ? Excuse-moi, HRP, rappelle-moi juste le nom de ton sort, c'est Aura Héroïque ? Aura du Héros. Aura du Héros. Aura du Héros, pardon. Je vais vérifier juste un tout petit détail. T'as cassé les fées, parce que je voulais pas dire que c'était un sort, mais merci beaucoup ! C'est à la MJ, va. Non, je vérifie. Je pourrais être une divinité descendue sur Terre. Ça a déjà été pris, je suis désolé. Mars. Qui aurait été invoqué par erreur. Et qui serait transformé en loup-garou, quoi ? Non, ah, c'est mauvais. On mélange tout, mon dieu. Mauvais jeu de rôle, mon dieu. Allez voir notre actuel P sur Monster of the Week. Ceux qui n'ont pas la ref. Celles et ceux. Ok, très bien. Donc, redis-moi, pardon, ce que tu as dit. Enveloppé donc, de ton aura divine et somptueuse. Mon brave. Paraissait un petit peu loin de vos contrées. Qu'est-ce que vous venez faire ici, là, tous les deux, enfin tous les cinq, tous les ce que vous êtes. Tu le vois qui te fusille du regard, qui a pas l'air de réagir trop à ce que tu dis, mais simplement au fait que tu t'approches de lui et qui te dit place le cachet, place le bateau. Voilà, rien de ce qu'il te raconte. C'est du coup, ça va être compliqué, donc est-ce qu'on peut faire un petit effort? Parce que, vous voyez, là, dans l'équipe, moi, je suis le gentil. Hein, je suis celui qui discute et qui essaie d'améliorer les choses. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, mon pépère, vous êtes quand même plutôt en mauvaise posture, hein, donc ça serait peut-être sympa de faire un effort et d'essayer de faire avancer les choses, plutôt que d'essayer de montrer les gros bras, ça ne sert à rien. Derrière, j'ai l'équivalent avec des poils, donc... Voilà, si jamais ça doit dégénérer, c'est pas nous qui nous en sortirons mal. Donc est-ce qu'on peut passer tous les préliminaires et aller directement à ce que vous faites ici, hein ? Vatsubabuluk. Vatsubabuluk, oui. Vatsubabuluk, c'est... ça m'arrive aussi, assez souvent, je dois dire. Il n'empêche que le matin, c'est pas toujours comme ça que j'aime accueillir les gens. C'est ma dernière demande. Est-ce qu'on peut faire un effort tout de suite? Sinon, ça va très mal se passer. Tu vois main sur l'épaule d'Hélical. Hélical, je pense qu'il ne parle pas notre langue. Mais si, il parle notre langue. Oui, trouver quelque chose, mais il va falloir laisser quelques minutes. Emmenons-le, on pourrait le mettre dans la charrette avec Julius. T'as besoin de combien de temps? 10 minutes. Ouais, 10 minutes. 10 minutes, on peut manger un morceau en 10 minutes. Alors, allez vous restaurer. Gardez un œil dessus, j'ai besoin de me concentrer. Moi, je reste à côté. Et je le fixe du regard. Je lâche pas le regard. Je commence, je me rééloigne de quelques pas. Et je commence à sortir mon livre. Donc, qui est un livre un peu étrange. Il y a un visage dessus. Je commence un petit livre qui tient un peu plus gros que ma main. Je commence à l'ouvrir, cherche une page. Et je commence à psalmodier pendant 10 minutes. Mais moi, pendant ces 10 minutes, je regarde toujours. Et de temps en temps, je fais... Les gestes. Alors, les gestes. Ça, c'est une main. Ça, c'est une joue. Ça fait mal. D'accord ? Un effort. Le commun. Le commun, tu vois ce que c'est ? La langue commune ? Ce que tout le monde parle ? Non ? Non, t'es bête, en fait. T'es bête comme tu vois qu'il ne change absolument pas de comportement au fur et à mesure que tu lui parles. Il ne marque pas le moindre changement dans son attitude. L'autre qui est à côté de lui se réveille. Et se met lui aussi à se débattre un petit peu, puis à te regarder, et à s'enfermer lui aussi dans une espèce de mutisme défiant. Au bout de 4-5 minutes, vous entendez une petite voix qui vient du chariot. Bon, là, ça sent vraiment trop fort, il faut que je sorte. Non, reste à l'intérieur encore. C'est pas bon. Vous voyez Julius qui s'extirpe du chariot. Qui voit que tous les orques sont soit décédés, soit ligotés, et qui se redresse un petit peu, qui dit, ah ben voilà, je savais bien que c'était pas trop difficile de se débarrasser d'eux, hein. Puis il s'approche de celui qui est
celui qui a été achevé par Hagrid, là, qui a donc à peu près la moitié de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, qui est maintenant à l'extérieur de lui. Il s'approche, il lui pousse la tête un peu du pied. Alors, on fait plus trop le fier, hein, mon gaillard ? Et là, comme je suis à côté, je donne en gros un coup dans le cadavre pour qu'il remue la main, et je fais genre pour faire peur à Julius. Ok. Donc tu as ce cadavre qui tout à coup a une espèce de soubresaut avec le bras qui part en direction de Julius. Julius qui a un mouvement de sursaut et qui tout à coup... Non. Et tu vois qu'il se jette sur le bras de l'orque et qui saisit un... Tu vois pas trop une sorte de bracelet argenté. Il saisit le bracelet, il fait non. Et tu le vois qu'il lève son autre main et tu vois un bandeau argenté, ouvragé, à son autre poignet. Et il te regarde et il dit « C'est le bracelet de ma sœur ! Non !» Attends. Qu'est-ce qui se passe, petit ? Panique pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est le bracelet de ma sœur, c'est le bracelet de notre famille ! Ils ont attaqué le fort, c'est pas possible ! Comment ils peuvent avoir le bracelet de ma sœur ? Il faut y aller tout de suite ! Quand j'entends ça, moi pour le coup je me retourne vers le mec en face et je lui mets une énorme baffe. Et je le prends par le col de l'armure. Je me mets au niveau de son visage. Je dis, maintenant tu vas nous dire tout ce que tu sais. C'est quoi ça? Vous venez d'où? Pourquoi il y a ce bracelet là? Il a l'air un petit peu sonné par ta baffe. Il était déjà pas en très très bon état. Il suit ton regard. Il voit que tu montres le bracelet de Julius qui est prostré au sol, qui est à genoux, qui est en train de se mettre à pleurer avec ce bracelet dans la main. Et tu vois alors qu'il tourne le regard vers toi. Et tu vois une sorte de sourire sadique qui se dessine sur ses traits. Je mets un, à moitié ensanglanté. Un coup de poing direct dans les dents. Pour lui péter les dents. Lance-moi ta force plus 1, s'il te plaît. Je te fais pas faire de jet d'attaque, il est immobile. Ma force plus 1. Bah très bien. très bien. T'es à combien en force, simplement ? Je suis à 9. T'es à 9, ce qui fait donc un moins 1, parfait. Donc je te... Donc plus un 10, on est d'accord? Donc un des 20, quoi. Oui. Juste un des 20, tu veux? Non, pardon, c'est ta force, plus... Bah, tu lui files un gros coup, qui a pas l'air de lui faire grand-chose, mais qui... Non, tu peux pas faire... Attends, c'est... Les coups de moins points, un, plus un. Ouais, non, c'est la force c'est... plus 1, on est d'accord? T'as moins 1 en force, tu ne peux pas lui faire de dégâts avec tes petits points. Je crois que c'est pas un D, quelque chose comme un D... C'est pas un D4 4 c'est quand t'es moine. Un D4, c'est quand t'es moine. Ou quand t'as les dons qui va bien. Donc c'est juste ta force. Pour moi, c'est même juste ta force, c'est même pas plus, non. Mais je suis pas sûr. Donc, mais tu lui mets quand même une belle baigne. Et je me retourne. Qui lui fait à moitié perdre son sourire. Quand je le tape, je me retourne et je fais. Aïe. Et je me retourne hyper sérieux et fais. Maintenant, on va se calmer, ok? Parce que je plaisante pas. Il y a la main qui fait. Je vois qu'il te regarde. Qu'il te regarde avec cet air presque goguenard. Et il dit, cette fois, il est plus en train de presque de te crier dessus. Il te murmure. Makar Loktar Ogar. Loktar Ogar. J'ai déjà entendu ça quelque part. Effectivement. Hagrid ! Il y a Blondinet. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu pourrais convaincre notre cher ami le temps que Myrdin fasse ce qu'il a à faire et lui expliquer de manière passive-agressive notre point de vue, ce qu'il fait là. Enfin bref, est-ce que tu peux lui mettre une grosse tarte dans sa tronche, lui péter 2-3 dents s'il y a besoin, pour qu'il nous dise exactement ce qu'il sait, d'où il vient, et puis s'il parle pas notre langue, bah c'est pas grave, au moins on sera des... Est-ce que je peux essayer de parler gobelin ? Est-ce que... Tu peux parler gobelin. Donc Elika, tu entends Hagrid se mettre à parler avec un langage que tu ne comprends pas, une voix un peu nasillarde avec des accents assez rauques. Et qu'est-ce que tu lui demandes, Hagrid ? Du fait... Maintenant, c'est entre tous les deux. Maintenant, c'est entre tous les deux, mon petit gars. C'est soit tu dis ce qui s'est passé avec le bracelet, etc., etc., soit je t'égorge tout de suite.
il te regarde. Il a l'air un tout petit peu plus circonspect, un tout petit peu plus prudent surtout que quand il regardait Helical, mais il a pas l'air de réagir à ce que tu dis. Ok, bah je prends mon couteau de cuisine et je plante son pote dans l'épaule. Qui n'a absolument rien demandé. Parfait. Eh bien, tu vas me faire avec ton couteau. Ouais. 2d6 plus 3. À nouveau, il est au sol, c'est un critique. Ah non, il est pas inconscient, pardon, il est juste au sol. Donc tu vas me faire un jet d'attaque avec avantage. Un jet d'attaque avec avantage, ok. Yes. Alors... Shift. Pense à le sélectionner. Ah merde. C'est pas grave. Ça fait très très mal quand même. Très bien. Ça fait même plus que 3, pourquoi seulement 3? 1d6. 3 plus ta force. Ouais, mais il y a. Ah non, parce que le couteau de cuisine est équipé sur la main. Sur exactement, normalement c'est son action bonus. Donc en vrai, il prend 6 dégâts. Très bien. Ah. Et donc lui qui n'avait rien demandé, qui n'était pas 3 plus 3. 3 plus 4, non? Elle a pas 4 en force? Elle a 3 en force. En force, ok. 3, ouais. Elle a 16. Donc c'est alors qu'il n'avait rien demandé, puis tout à coup se prend un coup de couteau et qui se met à hurler. Et tu vois son pote, du coup, t'as dû te pencher pour le planter, t'as les yeux, t'es à 20 cm du visage de l'autre, qui pue pas mal du bec, quand même. Et il te regarde, et il te dit « Bolok Ushtar ». Tu comprends absolument pas. Eh oui. Merdine ! Merdine ! Est-ce que tu peux Myrdine, manier ça le fait, fion je pense que ça fait à peu près 10 minutes. Et vous entendez Julius qui est en train de se lamenter derrière vous. Et qui est en train de dire, mais il faut y aller tout de suite, il lui est arrivé quelque chose. Écoute, calme-toi, on va pas aller jeter tête baissée si jamais Forboueux a été attaqué par ces créatures. On a besoin de savoir ce qui se passe d'abord, ok? Ok, il vaut mieux qu'on prenne 5 minutes le temps de leur tirer les verres du nez et y aller de manière un peu discrète s'ils sont toujours là-bas. Peut-être qu'ils ont fait des prisonniers ou quoi que ce soit, on n'en sait rien pour l'instant, donc ne nous précipitons pas, ok? Ok, Myrdine, tu as réussi à te concentrer, tu as convoqué les arcanes de ton apprentissage grâce à ton grimoire, et tout à coup, tu entends une fin de phrase. Tu entends l'armée. On retourne vers mes compagnons, je leur dis, à partir de maintenant, je suis capable de comprendre ce qu'ils disent. Je ne parle pas cette langue, je ne pourrais pas communiquer avec lui, mais je comprends ce qu'il marmonne. Charge, Helical, charge-le, aide-moi à le charger dans la charrette, on va l'interroger en chemin. Pas de soucis, et du coup je me rapproche du mec. Et je peux me dire, on a une connexion tous les deux, non? Hein? L'octa-regard, là, c'est quoi ton machin, déjà? Hein? Allez. Et tu sais, je l'humilie un peu. Et il a compris, du coup, et du coup, il répète, Agar l'octa, Agar. Et Myrdine, tu entends, la victoire ou la mort? Oui. Myrdine, tout va bien. Je m'empresse de traduire à mes compagnons. Ça a l'air de te faire étrangement plaisir, t'as un truc à nous dire. La victoire ou la mort? J'ai oublié HRP, c'était une réaction de joie. D'accord, la victoire ou la mort? Bah, a priori, ça va plutôt être la mort. Hein. Mais bon, écoute, l'Octa-Regard aussi, oui. Cher ami. Et je l'aide à charger dans la charrette. Il a mentionné ou plutôt une armée. Donnez-moi le bracelet. On va s'en servir pour l'interroger. Et tu peux peut-être faire quelque chose pour nous, Ygritte. Essaie de lui reparler en gobelin. Ok. Je veux voir en fait s'il réagit. Ok. Bah je lui redis, maintenant je te préviens. À chaque réponse que tu donnes pas, je te coupe un doigt. C'est ce qu'on voulait entendre.
Vous êtes en train d'amener vers la charrette. Vous allez l'interroger dans la charrette, on est d'accord? Oui, le plan, ce serait de l'interroger Elika et moi dans la charrette, hein, pendant qu'on avance. Le deuxième orc, qu'est-ce que vous en faites? Celui qui vient de servir de cible d'entraînement pour Ygritte. Il peut marcher. Mais pas si vous lui avez a priori pas ligoté les jambes, mais... Enfin, il est immobilisé au sol, quoi, mais si vous lui... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir deux avec nous? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut l'attacher à un arbre et le laisser. Ouais, il y a des loups dans la forêt, ça fera un exemple. Il a une armée, il risque de le retrouver. Ça serait toujours un de moins si on l'emmenait jusqu'à la garnison. On le tue maintenant, là. Ce serait peut-être particulièrement cruel de tuer une cible sans défense pour le faire prisonnier. Je vous assure qu'il ne s'enfuira pas. Bah, tu veux que je l'assomme et que je le mette sur mon épaule? Si pour tu moi, veux le porter. On va s'encombrer de quelque chose d'inutile, hein. Qu'on en ait un pour obtenir des informations, pourquoi pas. Qu'on en ait deux. Bon, j'ai rien contre le laisser en vie, j'ai rien contre l'abandonner ici, j'ai rien contre le tuer non plus. C'est juste que... Vous entendez tout à coup un cri derrière vous, vous retournez et vous voyez Julius qui est debout derrière vous avec un regard furieux que vous ne lui avez jamais vu. Et qui vous dit, c'est bon, vous avez fini de discuter, ma sœur est peut-être blessée, ma sœur est peut-être morte. On laisse cette charrette-là et on y va immédiatement. Il n'a pas tout à fait tort. Non, et ça me fait du mal de l'admettre. Si vous préférez continuer à discuter avec les orques, je pars sans vous. Et ça va être vachement efficace pour sauver ta sœur, puisque on t'a bien prouvé ta valeur à l'instant. Donc... Toujours plus efficace que vous. On essaie de comprendre quelle est la situation. Donc, allons-y. D'accord. Je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas les comprendre pendant très longtemps. Allons-y. Arrêtons de. Ok. On l'abandonne l'autre. Très bien. Eh ben, on charge l'orque restant dans la forêt. On attache l'orque qui reste à un arbre et on va en direction de Forbwood. Ok. Vous voyez que Julius part à pied. D'un pas rapide, avec le bracelet de sa sœur serré dans sa main, qui remonte pas dans la charrette, il continue à aller tout droit. Qu'est-ce que vous faites? On est plus rapide que lui avec la charrette? C'est des bœufs, donc non. Vous êtes pas plus rapide que lui. Il va prendre une avance progressive sur vous, clairement. Moi, je reste avec les bœufs, et je les abandonnerai pas. Et du coup, j'essaye de les motiver pour aller un peu plus vite. Ok. Très bien. Marcus ou Ygritte, vous voulez pas accompagner notre chère morte couille? Ygritte, j'en ai besoin pour essayer de faire réagir les orques. Ok, Marcus, est-ce que tu veux pas marcher à côté de... Marcus, nous ne t'entendons pas. Es-tu toujours parmi nous? Marcus, mon Dieu, Marcus, où es-tu? Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait de Marcus? Sauvez Sana! Ah, c'est bon. Marcus vient de retrouver sa voix. Il était encore tout à l'énergie du combat. Marcus est en train de se penser sur la charrette. Du coup, T'as pris cher? Oui, j'ai pris cher. Okay. Pendant que tu veux, pendant que je parle avec les aux orques avec Ygritte. Ouais, tout à fait. Tu vas voir que je vais te parler et pendant que je te parle, ça va te répondre. Ygritte, est-ce que tu peux parler en gobelin, je voudrais voir s'il comprend. Bien sûr. Donc je lui redis, je le remenace encore une fois en gobelin. Et je lui remontre le bracelet. Je dis, maintenant tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Tout de suite. Il te regarde fixement. Et il te répond, et à nouveau tu ne comprends pas. En revanche, n'importe quoi. Ygritte, Myrdhinn, c'est pas compliqué pourtant. Myrdhinn, tu entends. Je ne comprends pas votre langue. Mais ça n'a pas d'importance. Vous allez mourir. Et merde. Ça se passe. En RP? Non, mais en RP et merde. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as compris? Il nous menace. Tout à l'heure, il a mentionné une armée. Je pense qu'il n'était pas seul. C'était peut-être un groupe d'éclaireurs. Le problème étant que nous ne pourrons pas leur parler. Si j'avais un langage avec lequel communiquer avec lui, je pourrais le forcer à répondre. Mais tant qu'il ne comprend pas ce que je dis, je ne pourrais pas le forcer.
Alors du coup, il faut qu'on se fasse discret. Si une armée est là, et qu'ils sont en éclaireur, et il y a Julius qui est parti en trombe, pendant que j'étais en train de me penser, quelqu'un pour... Je peux essayer de le rattraper, merci. Je peux essayer de le rattraper et de le mettre en sécurité. Pendant que vous avancez. Je cours plus vite que vous, enfin, je pense. Enfin, d'un petit peu. Enfin, non. Si, si. En vrai, si. Si. Marcus est un moine. On est un moine, non. Donc ça s'annule un peu quand même. Ouais, il reste plus rapide que vous. Il reste plus rapide que nous. Très bien. Donc que faites-vous? Du coup, je sors la charrette. Vous voyez la silhouette de Julius. Du coup, je remercie. Merci, Lical. Je saute de la charrette et je cours vers Julius. Même si je ne participe pas trop, il faut quand même le prévenir qu'il y a une armée. Que je cours. Mais d'ailleurs, quand il a parlé là de l'armée, il parlait pas de l'armée qui vient d'attaquer. Ça se trouve, il n'y a pas d'armée d'orques. Ça se trouve, il parlait de l'armée des humains. Quelle armée des humains? Bah, c'est l'armée qui est au fort, non? C'est plus une garnison qu'une armée. À mon avis, il parlait de leur armée à eux, plutôt. Et d'ailleurs, de le faire parler, je comprends. Même si je ne peux pas directement l'interroger, je comprends pour l'instant ce qu'il raconte. Continuons à le faire parler, on verra bien ce qu'il nous dit. Je lui remonte le bracelet, et je me montre, moi, et je lui remonte le bracelet. Genre, en essayant pareil de lui dire... explique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et tu sais, je lui montre le couteau en même temps. Là, donc... Ratio Vimor, parti. Toruk Mabruk, tu vois. Il te regarde. Et je t'avoue que tu vois une sorte de sourire mauvais. Et il te répond. Et Emirdine, tu entends... Tu peux le garder si tu veux. Ça te réconfortera pendant quelques temps. Votre royaume est condamné. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a l'air vénère. Pour éviter de répéter tout ce que tu vas dire, oui, au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Notre royaume? De quoi tu parles exactement? Déjà, est-ce que tu comprends ce qu'on te raconte ou pas? Il te regarde sans répondre. T'es vraiment bête. Très bien. Ça n'a pas été évident. j'essaie avec des gestuels, pareil, de lui faire comprendre ce qu'il entend par là, par notre royaume. Avec de la gestuelle, on va peut-être pas mimer ça en RP pendant 2 heures. Non, de toute façon, vous n'arrivez pas à en tirer grand-chose de plus, déjà parce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de lui, et parce que vous sentez, au bout de 2-3 fois qu'il vous répond, qu'il fait son fier, il fait son brave. Myrdine, tu vas me faire un jet de perspicacité, juste. J'avais demandé, est-ce qu'il y a moyen de trouver un sujet qui pourrait le faire craquer, en fait. Son attitude. Uniquement par mime, ça te semble compliqué. HRP, tu lui parles de sa maman. Ça passe toujours. On a dit pas les mamans. Non, on a dit pas le chat. On comprend pas. Et là, vous avez une voix qui vient de très loin. On ne touche pas au chat. Quoi? Myrdine, tu arrives à comprendre sa langue, mais tu n'arrives pas à deviner ses intentions. Tu ne sais pas si ce qu'il dit est la vérité ou s'il essaie juste de faire le brave parce qu'il s'est fait avoir. Mais tu vois simplement que il vous révèle rien de plus. Il vous dit juste que, en gros, c'est vous qui êtes foutu et que lui n'a pas d'importance. Voilà. Marcus, tu rattrapes. Julius, tu es légèrement essoufflé, petit pas de trop, et continue d'avancer d'un pas ferme, droit devant, splosh 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 dans la boue. Attends Julius, attends. Il y a une armée de orques. Ce sont sûrement des éclaireurs. Il faut qu'on se fasse. On peut y aller rapidement, mais discrètement. Alors, en tout cas, il faut qu'on y aille.
Et oui, vous mais faites des, vous faites des beaux héros, là. Eh ben, hé, hey, le héros, tu parles, toi t'es pas sorti. C'est qui s'est ramassé tous les trucs? C'est Bibi. Alors le héros, il ferme sa gueule. Écoutez, moi je n'étais pas payé pour assurer la sécurité sur ce voyage, d'accord? Eh bien, nous non plus. Pas de vous. Ah si. C'était moi, je suis fils de général. Je suis censé arriver sain et sauf dans ce fort. Et maintenant, c'est ma sœur qui n'est peut-être pas sain et sauf. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, mais discrètement. Nous, on était payés pour faire la pour ramener la cargaison, pas vous. Mais si votre sœur a eu un problème, on va le voir, mais doucement. On peut y aller tranquillement, enfin tranquillement, en nous pressant. Mais faisons ça à pas feutré. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Mmh. La fameuse persuasion du moine, bien connue. Non. Il s'arrête. Du coup, tu t'arrêtes soudainement aussi. Il se penche légèrement pour arriver à ta hauteur. Vous serez discret autant que vous voudrez, maître nain. Moi, je vais sauver ma sœur, si ça ne vous dérange pas. Et du coup, vu qu'il s'est baissé et qu'il me dit ça, je fais « Ok ». Et je lui fous un coup de boule. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas bolos son PNJ. Allez. Là, il se met à proche à ma hauteur. Du coup, réflexe, je lui fous un coup de boule. Le mec est du 9-5, c'est énorme. Oh putain! Très bien. Oh la cata! Pour les besoins de cette scène, tu te penches légèrement en arrière comme si tu étais impressionné par lui, et tu fais un de ses pivots pour revenir dans sa face, tu écrases ton front contre le sien, il bascule en arrière et s'étale dans la boue avec un hématome qui commence déjà à se former entre les deux yeux. Il est inconscient. Mais on voit au loin. Vous arrivez, ouais, il s'est pas passé énormément de temps, vous voyez au loin, mais vraiment au loin, les deux silhouettes. Oh là là. Et tout à coup, vous en voyez plus qu'une. On entend un gros. Ah, quand la charrette elle passe à côté, on arrive juste à côté du corps de Mortecouille. Et du coup, moi, j'étais, moi bien, après l'avoir, après l'avoir fait, j'ai fait un bien. Truc, et en fait, j'étais en train de marcher et de le traîner. Mettre les gueules dans les feuillages. Et du coup, j'ai dit qu'on allait tranquillement. Et du coup, je traîne dans les feuilles. Parce qu'en fait, j'ai pas vu qu'ils étaient derrière moi. Et du coup, j'avance en marchant, d'un pas un peu pressé, mais en le traînant aussi. Quoi. Je m'assieds sur l'arrière de la carriole, tu sais, avec les jambes dans le vide, comme ça. Puis quand on passe à côté, je regarde Marcus et je fais bravo. Bien joué. Très, très bien. Non, je. Bien comme technique, hein. Bien pour le ralentir. Il est un peu trop ralenti maintenant, mais c'est pas mal, bravo. Vas-y, charge-le dans la carriole. Du coup, je le jette. Ok, et je le jette dans la carriole. Ouais, moi, je descends pour l'aider. J'aurais pas fait mieux. Parfait. On refoutre entre les oignons. Ouais, grave. Refouter dans les oignons, très bien. Bon, ceci dit, c'est peut-être pas plus mal ainsi. Hein. Il me paraissait bien énervé et je pense qu'il serait jeté la tête la première. Et s'il y a vraiment ces saloperies au château. Ouais. C'était un coup à ce qu'il se fasse tuer, donc... Non, t'as bien fait, Marcus. Je sais. J'avais perdu des personnes comme ça. Très bien. Vous continuez donc votre route avec, dans votre charrette, un orc assez réticent et un Julius assez inconscient. Et progressivement, la luminosité commence à diminuer. Vous voyez les quelques rayons de soleil qui filtrent à travers les nuages qui sont de plus en plus bas, à l'ouest. Et vous commencez à voir que, devant vous, les arbres deviennent un peu plus épars. Et vous apercevez se dessiner, dans la pénombre qui commence à se former, une grande structure avec deux protubérances, comme deux tours, de part et d'autre, à l'orée de la forêt, à quelques centaines de mètres devant vous. Que faites-vous? Est-ce qu'on voit de l'activité? Pour l'instant, vous êtes trop loin pour voir quoi que ce soit.
Avançons. Donc, trop loin pour être vu, a priori. Avançons encore un petit peu en nous faufilant. Avançons encore un petit peu. Au pire, certains sont dans la carriole et d'autres à côté. Et s'il y arrive quelque chose, eh ben... Ouais, on peut peut-être cacher la carriole. Parce qu'elle va être un peu voyant avec ça. Cachons la carriole et essayons d'être relativement discrets. Ou alors je peux partir en éclaireur et revenir. Je suis plus rapide, pareil. On fera peut-être moins de traces s'il y a qu'une une ou deux personnes qui partent. Que si on est 6 ou 7. Avec les prisonniers, on pourra pas trimballer les prisonniers, on va pas les laisser à la carriole. Ouais. Bon, avance doucement et je vais faire l'aller-retour. Moi, je vais commencer à guider la carriole pour sortir un peu de la route et essayer d'aller un peu plus dans les forêts pour être plus discret, mais on continue d'avancer un peu doucement. Et ouais, pendant s'il y en a qui partent avec l'heure, ça peut être cool. Bah, je pars avec Marcus. Vous partez tous les deux ? Très bien. Taran, tu arrives sans... Oui, pardon. Et juste avant que tu t'éloignes, je viens de voir et je te dis, quelque chose tourne mal. Tu peux créer des sons, il me semble. Qui suis radical. Ah pardon, Marcus. Bah non. Marcus. Bah non. Bah à part non, pas de son. Non, pas exactement. Disons que je peux produire des sons, mais je suis pas sûr que ça soit réellement discret. Si tu vois ce que je veux dire. Mais non, sinon non, je. Non, je ne peux pas produire de son. Mettons-nous d'accord sur un son, si quelque chose tourne mal, je devrais pouvoir fournir une distraction. Petit coup de bignot Non trop subtil peut-être. Non, bah, on peut imiter le bruit du faucon, ça me paraît bien le bruit du faucon. Pas de bruit de faucon non plus, très bien. Alors tu m'aides pas beaucoup, Myrdine, hein, encore une fois. T'avais une idée en tête peut-être. Que vous voulez. D'accord, on peut faire un de coco. De coco. De coco. De coco. Si je laisse pas de mal, prononce ce mot, je m'occuperai de faire de créer une diversion. De coco. De coco, ça va. Très bien. Donc, Taran, tu commences à planquer la carriole. Tu n'arrives pas à rentrer dans la forêt avec, mais tu arrives à t'écarter légèrement de la route pour pas être trop visible. Marcus et Elical, vous vous approchez de cette grande masse sombre que vous distinguez à la sortie de la forêt. Vous allez faire tous les deux un test de discrétion, s'il vous plaît. Un test de discrétion. Non, mais sérieusement, hein. Non. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai plus 5 en discrétion, mais quelle horreur! Mais moi j'ai plus 5 aussi, hein. Tous les deux les plus discrets et foire quoi! Putain! Oh, oh les gars! C'est incroyable! Les dés ont parlé! Très bien! On a tous les deux plus 5, c'est quand même ouf! Vous approchez le plus discrètement possible. Extrêmement discrètement. Extrêmement discrètement. Et quand vous arrivez, vous pensez à peu près à portée de vue, quand vous commencez à voir ce bâtiment qui se dessine, vous voyez maintenant qu'il est situé légèrement en hauteur quand vous sortez de la forêt. Vous voyez, vous commencez à distinguer une silhouette qui a l'air de se trouver dessus, en haut des murs, et qui bouge légèrement. Et tandis que vous vous concentrez pour essayer de voir mieux cette silhouette, Marcus trébuche sur une racine qui dépasse de la boue, fait une embardée sur le côté, pousse Hélical, qui tombe sur son biniou, et on entend un son de cornemuse qui résonne dans toute la zone. Et vous voyez que la silhouette en haut du mur s'est soudainement immobilisée. Qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Pour de l'autre côté. Pardon. T'es coco. T'es coco. Je me retourne en direction de... T'es coco.
Je pense que tu as été plus alerté par le son de cornemuse qui a résonné dans toute la forêt que par le mot code. Je me précipite vers eux et je commence à psalmodier en précipitant vers eux. Yomashin est un dragon qui apparaît sur le chemin. Le dragon cornemuse. Alors là, t'as Ygritte qui ne comprend rien à ce qui se passe. Mais moi, qu'est-ce que tu fais? Je pense que Taran tombe par terre et commence à reculer. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, je prends une javeline, je lance la javeline dessus, ça fonctionne pas. Lance la javeline dessus, elle traverse. Bah démerde-toi avec ça. Hein. Vous voyez derrière vous arriver cet énorme dragon qui semble légèrement flotter au-dessus du sol et qui s'avance et qui passe à côté de vous. Et vous entendez comme un son de corne, comme un son d'alerte qui résonne dans le phare. Et vous voyez cette silhouette que vous avez aperçue qui se met très rapidement à se déplacer vers l'un des côtés et à descendre et disparaître. Et vous voyez de l'autre côté une autre silhouette qui arrive et qui elle aussi disparaît de l'autre côté du mur. Que faites-vous? Je me tourne vers Marcus et tu crois qu'ils nous ont vus? Pas du tout. Pardon. On devrait peut-être retourner voir les autres. C'est ça. Pour les prévenir que notre plan a un peu foiré. Et vite. Et du coup, je me remets à courir dans l'autre sens très vite. Bah pareil, je le suis. Donc vous croisez le dragon, hein, qui avance toujours vers le fort. Et vous rejoignez les autres. Quelle est la portée, Myrdine, s'il te plaît? 18 mètres de moi et je peux le faire bouger. D'accord. Est-ce que tu continues de le faire avancer? Tu vois que les autres reviennent vers toi, moitié courant, moitié rampant. Ah bah ouais, je vais le faire bouger, ouais, parce que s'ils envoient les flèches, j'ai pas très envie que ce soit sur nous, donc il va s'éloigner un peu de nous. Hein? Il va survoler les arbres, ça va être bien. Très bien. Les arbres non, parce qu'il n'y a plus trop d'arbres. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, vous arrivez dans une zone qui est un petit peu plus dégagée. C'est que le soir commence à tomber, il y a une espèce de brume qui commence à s'abattre. Et vous voyez encore une fois uniquement cette grande masse sombre qui se détache sur un ciel un petit peu moins sombre. Et donc tu fais décoller ce dragon qui vous survole sans faire le moindre bruit. Il bat des ailes et survole légèrement la cime des arbres en s'approchant du fort, puisque vous avez compris que c'était fort boueux. Est-ce que vous continuez à vous approcher du fort? Qu'est-ce que vous faites? Et non, nous on est parti dans l'autre sens. Du coup, vous avez croisé le dragon, vous avez croisé Myrdine. Ouais. Vous avez croisé Myrdine qui continue d'avancer avec son dragon. Alors Myrdine, je crois que l'infiltration a un peu échoué. Légèrement. Et... C'est une belle distraction. C'était très bien amené. Félicitations. Est-ce qu'on retourne voir les autres et on élabore un plan pour y aller de manière un peu plus discrète? Parce que là, je pense qu'on est un peu légèrement. On était un peu repérés, quoi. Nous sommes repérés, autant voir qui nous a repérés. Bah, une armée. Oui, mais de quelle nature? Tu veux t'approcher encore un peu? Je peux maintenir cette illusion à 18 mètres. Ça vaut peut-être le coup de voir comment réagissent les hommes du fort. Ok, est-ce que tu peux essayer de l'envoyer un maximum sur un des côtés du fort pendant que nous on s'approche de l'autre côté dans ce cas? Allons-y. Ok. Donc on fait demi-tour, tous les trois. Et du coup, on part à gauche du fort par exemple, avec Marcus, tandis que Myrdine essaie de l'envoyer à droite pour détourner l'attention. Ah bien, donc du coup Myrdine est obligée de suivre son illusion parce que 18 mètres. C'est quand même pas énorme par rapport au terrain sur lequel vous êtes. Le fort se situe, lui, encore à peut-être 150 mètres de vous. Et vous vous approchez progressivement. Et en vous appuyant sur le fait que le dragon qui vole au-dessus de la forêt va attirer l'attention, vous vous approchez. Et vous voyez... Alors la première chose que vous voyez,
tandis que vous avez de moins en moins d'arbres autour de vous, que ça devient de plus en plus difficile de vous cacher, vous voyez émerger dans la brume, sur une sorte de grande colline boueuse, vous voyez des murailles de pierre, très grandes, très colossales. Et autour de cette colline, vous voyez de l'eau qui s'étend derrière la colline à perte de vue. Jusqu'à ce que l'horizon se noie dans l'obscurité, vous voyez que tous les alentours du fort sont inondés. À l'exception d'une rampe qui monte, qui sort de l'eau et qui monte jusqu'à ce qui semble être l'entrée du fort. Une grande herse verrouillée, fermée. Et vous distinguez plusieurs silhouettes. Vous allez me faire tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Vous voyez des silhouettes semblables à celles que vous aviez aperçues qui montent à nouveau sur les remparts. Très bien, 15 et Ical, Marcus, Marcus 14. Vous arrivez à voir, Ical particulièrement, tu reconnais la physionomie, une physionomie très semblable à celle des orques que vous avez combattus. Des statures plutôt athlétiques, qui semblent, encore une fois, vêtues d'armures qui ont l'air un peu trop petites. Des armures que tu devines être des armures de cuir, comme portaient ceux que vous avez attaqués, qui vous ont attaqué. Et tu vois ces créatures qui se mettent à lancer des javelines, des lances en direction de cet énorme dragon qui est en train de survoler la forêt à l'est du fort. Et qui ont l'air de s'agiter et de s'énerver en voyant qu'ils n'arrivent pas à le toucher. Marcus, j'ai l'impression que le fort a été capturé par ces créatures. J'en ai bien l'impression aussi. Retournons voir Myrdine et retournons voir les autres. Ouais. Parce qu'on ne pourra rien faire contre une arme. À 5 contre une armée. Ouais, mais ils ont peut-être laissé des prisonniers. Peut-être avec un peu de chance, peut-être qu'ils restent une partie de la garnison. On peut peut-être essayer de les libérer. Il faudra tenter une infiltration, mais. Pas maintenant, là on est beaucoup trop repéré. Ouais, je suis d'accord. Alors, retournons peut-être dans la forêt, cachons-nous dans la forêt. Le temps que la nuit arrive. Ouais, attendons la nuit. Ce qui m'inquiète, c'est Julius. S'il se réveille, il va faire n'importe quoi et il va se faire tuer. Eh ben, on peut le ligoter. Ou l'endormir, je sais pas. Retournons voir les autres, de toute manière ça sert à rien pour l'instant d'en parler entre nous. Voyons ce qu'en pensent les autres. Et retournez voir Myrdine, il est resté exposé un peu trop longtemps, il vaudrait mieux venir le récupérer. Il y aura plus de dragon. Il pourra toujours en réinvoquer un, ou on trouvera une autre solution, je sais pas. On peut pas le laisser toute la nuit comme ça pour détourner l'attention. À un moment donné, ces monstres vont comprendre que ça n'est qu'une illusion à force de lui jeter des trucs dessus et de pas le toucher. Tout n'est qu'une illusion. Ce sont de sages paroles. Okay. Donc vous revenez le plus discrètement possible vers Myrdine. Myrdine, tu les vois qui se faufilent entre les arbres dans ta direction, en te faisant signe de revenir. Revient et pour l'instant, tant que je peux, parce que je peux pas le maintenir indéfiniment, je continue à faire voler mon illusion. Et okay. Du coup, on explique à Myrdine. Très bien. Donc, tandis que vous revenez vers le camp, tu es obligé de faire en sorte que le dragon vous suive et il s'éloigne donc du fort. Et vous revenez en direction de vos camarades et l'illusion se dissipe. Tu peux, si tu le souhaites, faire comme si le dragon se posait dans la forêt. Et vous vous retrouvez devant la carriole avec Taran et Ygritte qui viennent d'assister mais au carnaval de Venise et qui vous accueillent, je suppose, d'un air assez circonspect. Oui, bah moi... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les amis, on a un léger souci. On a été repéré. Mais... On a été assez discret pour toi. Hein. Je trouve
qu'ils ont été assez subtils sur ce coup-là. Hein, on est d'accord, Marcus, hein, ça... Je suis totalement d'accord. Ouais, on a donné tout ce qu'on a pu. Bah, c'était quoi ce dragon? C'est un peu importe, c'est notre voleur national qui fait des siennes. Mais peu importe, c'est pas vraiment la question. On est arrivé face à Fort Boueux et malheureusement. Alors je dis ça de telle manière parce que l'orc et Julius ne nous entendent pas. Hein. Je pense que tout le monde se mette. Tout en gardant un œil sur l'orc, bien évidemment, dans la carriole pour éviter qu'il s'échappe. Tu vois que Julius est toujours inanimé dans la carriole. L'orc vous regarde d'un air un peu mauvais. Mais il réagit pas spécialement. Bon, du coup, on a un souci. Il y a une armée dans le fort. Le fort a été pris. Exactement, le fort a été pris par les mêmes créatures qui nous ont attaqué dans la forêt. Grâce à Myrdine, on a réussi à aller un petit peu plus loin parce qu'il a réussi à détourner leur attention. Très subtil d'ailleurs, Myrdine, je connais là ton talent. Mais on est plutôt mal. On n'a pas vu de traces d'hommes de la garnison, ce qui veut pas dire qu'ils soient tous morts. C'est rien, peut-être. Et on a vu une seule entrée pour le moment. Et on a vu qu'une seule entrée, ouais, tout à fait. Et ça... Non mais comment ça une seule entrée? Mais on va pas rentrer. Il faut qu'on retourne à Clerval et qu'on aille chercher de l'aide. On peut pas retourner à Clerval, c'est à deux jours de route. Qui sait pourquoi ils ont attaqué le fort et qui sait ce qu'ils peuvent faire en deux jours? On peut pas se permettre... Mais vous êtes fous, qu'est-ce qu'on va faire à 5? On va jamais pouvoir attaquer un... C'est trop dangereux. Mais on a pas fait complètement le tour, il faut qu'on voit... Ouais. S'il y a pas... On a juste vu que là où on était, il y avait juste... Tout était inondé et qu'il y avait juste un passage pour aller... on va dire à l'entrée du fort, mais il y a peut-être un autre passage où... Ouais. Peut-être que Julius est au courant d'un autre passage souterrain ou... Il y a un immense lac derrière le château en plus... gigantesque à perte de vue. Ça me rappelle un vieux lac que j'avais vu à l'époque pendant mes voyages. C'est pas censé être un marais. En tout cas, il y a une grande étendue d'eau, appelons ça tel que c'est, un lac. Peut-être qu'il y a une entrée de ce côté-là. Et de toute manière, est-ce qu'on a vu, MJ, si les murailles avaient l'air explosées ou en bon état ou pas? De là où vous étiez, vous avez pas vu de dégâts particuliers, non? Ok. On n'a rien vu de dégâts sur les fortifications. Pas d'échafaudage, pas de machine de guerre ou quoi que ce soit, donc peut-être qu'il y a un autre moyen effectivement de s'infiltrer dans le château, en passant par l'autre côté. On a vu une énorme herse, clairement, c'est sûr, on peut pas y aller de manière frontale, mais on n'a pas le temps de retourner à Clerval. Ça me plaît pas du tout. Moi non plus, surtout que le combat précédent nous a quand même un petit peu mis à mal, donc on n'est pas au meilleur de notre forme tous. Je propose qu'on essaie de trouver un moyen de s'infiltrer. Ne serait-ce qu'aller en repérage, si on trouve rien, repartons à Clerval ou à Vireux, en tout cas, pour prévenir, mais... Si j'avais dressé un peu l'écureuil, on aurait pu l'envoyer en repérage. Et c'est trop tard, si on arrive suffisamment à s'approcher et qu'il n'y a qu'un seul garde de faction, je pourrais m'en occuper. Sans avoir besoin d'un... Après, sans je peux me faire passer... Faire beaucoup de bruit, mais... Moi, je peux me faire passer pour l'un d'entre eux. Mais je ne peux le faire que pour moi. Vous pourriez vous faire passer pour un... Tu pourrais te faire passer pour un orc. Ouais, avec un peu de subtilité et de poudre de perlimpinpin. Oui, ça serait possible, effectivement, de me faire passer pour l'un d'entre eux, mais je ne parle pas leur langue. Et je ne suis pas sûr que ça soit réellement... Il faut que je trouve une justification. Je peux me faire passer pour ce fameux prisonnier qu'on a trouvé là, mais... Encore une fois, je pense qu'il y aura un problème de langue. Les amis... En fait, je pensais à l'écureuil, mais... Mais en fait, peut-être que... Que moi je peux me transformer en écureuil et rentrer discrètement. C'est pas une mauvaise idée. C'est effectivement une capacité que tu devrais pouvoir faire, mais tu es sûr de maîtriser suffisamment d'un. Je sais pas, mais si j'y arrive, c'est probablement la chose la plus discrète qu'on puisse faire.
un écureuil ou un rat ou quelque chose, enfin, quelque chose de discret. Ouais, et... passer à travers la herse éventuellement. J'ai aucune idée, enfin, le bœuf avait duré quoi, une heure, deux heures, comme ça. Peut-être tenter, m'approchant un peu de... aller voir ce qui se passe. Et bah si t'arrives à te... Je sais pas si ça peut marcher. Tu vois Panache et Crac qui sortent de leurs poches respectives comme s'ils avaient compris qu'on parlait un peu d'eux et qui te regardent, l'air intrigué. J'ai jamais fait ça, mais écoutez, si ça peut aider les gens, je vais essayer. De toute façon, on n'a pas de meilleure solution. Fais ça. Moi, je t'amène au plus près. Parce que si on y va de nuit et qu'on y va au plus près, moi, je peux t'y amener. Et puis, je t'attends et je t'attendrai à la sortie. Reste okay. Le problème de Julius. Okay. Et de l'orque. Vous voyez d'ailleurs que Julius commence à remuer un petit peu dans la carrière. Il est trop nerveux, il est trop impliqué, il va faire n'importe quoi, il va tout faire capoter. Et Grid, il faut que tu le maîtrises. Il est certainement très simple. Sinon, essayez de le raisonner rationnellement. Il nous reste un peu de champignons. Non. On va se calmer avec les champignons, là. Non, on va se calmer, mais il n'empêche que ça va être bien du genre. Oui, bah, bien sûr. Et puis ça, après, tu vas en refaire ton animal de compagnie. C'est pas... C'est mais pas non, mais non. Non, c'est pas correct de faire ça. Je vais essayer de le convaincre. Oui, éventuellement, on a tissé des liens, lui et moi. Moi aussi, je peux le convaincre. Et du coup, je me frotte la tête. Oui, alors, peut-être... Pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais voilà, disons que l'option force et odorante d'Ygrid risque d'être un peu mal perçue. Bah, imaginons, essaie de le convaincre toi dans un premier temps, si jamais il refuse, je le castagne un petit peu, puis je le mets sur mon épaule et puis c'est parti. Pas méchamment, il est pas méchant, il est juste jeune et impulsif. Voilà, évitons de lui casser la mâchoire, quoi. La situation est suffisamment difficile pour lui sans qu'on ajoute à son malheur. Ouais. On fait ça, j'essaie de le convaincre. Ok, faisons ça. Marcus et Taran, est-ce que vous partez tout de suite ou est-ce que vous attendez ? Il fait déjà nuit ou pas ? Parce que je pense qu'on voulait y aller. Il commence à faire presque nuit, ouais. Il y a encore quelques lueurs, mais... Vous voyez, parce que je préfère ne pas avoir à revenir en plein milieu de la nuit et pas vous trouver. Ouais, on y va. Très bien. Je te dis qu'en gros, il faudrait qu'on s'approche le plus près possible pour qu'ensuite j'essaye de me transformer, parce que je sais pas exactement comment faire. Donc voilà, qu'on essaye de s'approcher au maximum pour être quand même un peu à couvert. On va y aller discrètement. Promis. Ok. Discrètement. Je réitère ma proposition. Si jamais quelque chose tourne mal, je pourrais une nouvelle fois effectuer une diversion. Mais. C'était quoi le bruit ? De coco. J'ai entendu ça lors d'une de mes vieilles histoires que je racontais à mes amis. Et du coup, quand ils commencent à parler, on part. Des 28. Et vous partez tous les deux. Vous vous dirigez vers le fort le plus discrètement possible. Tout à fait. Et on va s'arrêter là pour ce soir.